Hein? Quelles sont tes réflexions, tes sentiments pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui? J'ai trouvé très très beau qu'on soit venu ici pour un geste solidaire pour la Grèce, un geste d'amitié entre la France et la Grèce, et aussi notre positionnement en tant qu'artiste, ou aussi pour simuler avec la poupée, les banderoles, pour donner la forme aussi pour le mouvement. Je suis très émue d'avoir été ici, d'être partie de cette journée. Est-ce que les gens, l'opinion publique, disons, en France, connaît vraiment ce qui se passe en Grèce? Est-ce qu'ils savent les sources de la crise, par exemple? On essaie de se renseigner le maximum, mais je ne sais pas si tout le monde est aussi au courant. On écoute toujours les Grecs ne font pas assez, mais ça, pour moi, ça semble ridicule. Les Grecs ne font pas assez quoi? C'est les entreprises, c'est les banques, c'est beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. Et donc, je ne sais pas, on essaye de comprendre mieux à fond ce qui se passe vraiment, mais ce n'est pas toujours évident. Il faut chercher. Est-ce que vous avez envie en rentrant de stimuler les gens de faire quelque chose pareil? C'est-à-dire occuper la place Concorde ou la place Bastille et rester là et revendiquer des droits? Peut-être. Je ne sais pas. Oui, hein, oui, on a déjà fait cette manif en France plusieurs fois, mais toujours, on n'a pas occupé vraiment une place. C'est vrai que ça génère un mouvement très fort. Oui.